Donc les amis, bonsoir. Tout simplement, ce que vous vous apprêtez à voir, c'est très simple. Donc Dragan m'a contacté afin de tourner une petite vidéo mes gueules, que je puisse voilà rencontrer la femme de ma vie. Et pourquoi pas aller plus loin, on verra. Vous allez voir, c'est pas passé totalement comme prévu. Cette vidéo va vous plaire. Vous pouvez la liker, la partager à votre famille, à vos proches, à vos darons. Voilà, bonne vidéo. Je vous en la suite, c'est plutôt macabre, voilà, tout simplement. Je comprends pas. Moi non plus. Pourquoi ? Attends, tiens, je vais juste chercher un petit truc, je reviens. Vas-y, vas-y. Oh non, je sais ce qu'il va faire. Voilà, mais son problème, c'est ça. Mais voilà. C'est prévisible. Mais vite, on aurait dit crazy. Ouais, on dirait même... Oh putain, on dirait un feat entre Arcasia, s'il avait continué les études. Allez, je sais pas c'est qui. C'est un de mes meilleurs amis. Pourquoi tu rigoles? Parce que j'ai dit qu'il va y avoir une meuf alors que bah en fait ça a pas marché. Pourquoi j'ai pas une meuf moi? T'es aussi bouillante que mon café. C'est pas drôle. Pardon, excuse-moi. Quelle vanne. J'avais pas vu que t'étais en seconde. T'es mal, la climatisation derrière posée par Dragan. T'as dit. La climatisation derrière, elle me l'a dit. Bravo. C'est quoi les glucides? Mais c'est des pâtes, genre. Oh là là. Des pâtes du pain, c'est des glucides. La beuh. Ça, c'est des... Non, c'est pas des lipides, ça, non. C'est des féculents, les pâtes. Les glucides, c'est tout ce qui est sucre. Mais rien à voir. Oh. Oui, mais c'est des féculents, c'est du sucre lent, les pâtes. Imagine premier degré. Salut. Voilà, mais ça, c'est... Premier degré, vas-y, finis. Tu me dis un truc, putain. Ok, mais juste finis ta phrase avec tes copains. Imagine dans le cas. Premier degré, on tombe sur la femme de ma vie, là, et puis bah ça vient de se produire. Oh, le blanc. Ouais. Tu sais, il y a les grandes histoires d'amour, ça commence comme ça. Hein. Oh non, retourne-toi qu'on rigole. Oh la catastrophe. T'as quel problème? C'est quoi ton problème, s'il te plaît? Oh, la mosquée derrière. La mosquée, ça a résonné. Oh, on voit des photos de ton ventre, s'il te plaît. Oussama Namar. Non, moi c'est Oussama Hamar. J'en peux plus, mec. T'as quel âge? Je suis en seconde. Oh là là, comment t'es grande. Pourquoi t'as quel âge? 48. Bah oui, bien sûr. Antoine, t'as envie de passer ta vie en prison, toi? J'aime bien les barreaux. T'es portugais? Non. Bah oui, enfin, putain, mais à chaque fois, c'est la question que les gens se posent. Mais frère, bien sûr que c'est écrit dessus. Ça se voit pas du tout. Ça se voit pas du tout. Mais ça se voit, là? Est-ce que ça se voit? Mais frère, le sourcil, il fait la taille de mon avenir. Mais il est beau. Mais il va de là jusqu'à l'arrière de ton crâne, bâtard. C'est une catastrophe. Bah, je m'en sers pas. En fait, moi, j'aime bien qu'on entende les bruits de paix. Les bruits de tout quand je stream, tu vois. Les bruits de ventre. C'est ça, quand je bois beaucoup d'eau, tu vois. Genre, ça. J'ai envie que les gens, ils entendent, tu vois. Oh là là, mon enfant, que t'es on. T'as fait du... Fais de la ASMR, s'il te plaît. Ok. Attends, mais c'est pas faire. Ouais, les ongles en plastique. Mais bien sûr que non, c'est des ongles en gel. Ah, c'est du plastique quand même, quoi. Bonsoir, les copains dans le casque. Y'a pas de soucis, salut, ça va quoi? Voilà, pas de soucis, pas de soucis. Ouais, bah écoute, tranquille. Ah, y'a une histoire d'amour parallèle qui se crée. Salut. Oh là. Monte ta bite. Ah, s'il le fait, les gars, je vous jure. Non, s'il le fait, non. Oh non. Non. Oh non. Mais vas-y. Oh non. Je suis déçu, je suis trop déçu. Je suis trop déçu aussi. Et surtout un gros homosexuel, hein. Ah, pas rien. Bah bien sûr que oui. Donc, quand j'étais petit, on l'imitait, mais une fois grandi, on n'arrive plus, quoi. C'est que tu manges mal ou tu manges beaucoup? Non, mais en fait, tu peux mettre n'importe quoi devant. Déjà, je mange tout. Genre, légumes, fruits, poissons, viande, je m'en fous. Mais au-delà de ça, c'est que, genre, tu mets 3 kebabs ou un kebab, ça ne change rien pour moi. Parce que dans tous les cas, je ne sentirai pas l'effet de satiété. Mais t'inquiète, ça va passer un jour. C'est ce qu'ils disent tous. C'est un mot de tête. Non, mais il faut juste me faire opérer, c'est tout. C'est un tout petit truc au niveau du cerveau. Faut ah, qu'ils enlèvent. Genre, ouais, c'est ouais, ok. Parce que c'est pareil, alors je vais dire un truc trop bizarre, mais c'est pareil aussi au niveau du cul. Alors, je vais dire, ça te fait rigoler, je sais. Tu vois, quand un mec il jouit, il peut pas recontinuer derrière. Bah, moi, ah, l'orgasme, je le sens, mais après, j'ai plus d'effet. Genre, je peux ouais, je peux requen tout de suite après, j'ai aucun problème avec ouais, ça, tu vois. Aïe. Donc, au bout d'un moment, c'est pas bien parce que
ta bite, elle devient violée, quoi. Je sais, parce que j'ai testé. Je dis, ça m'est déjà arrivé, donc... Ouais, change de couleur, frère, c'est un shiny. Mais bon, 48, c'est trop. Oh non. C'est l'âge de mon père. Mais j'ai pas 48 piges. 38 ? Non, genre, tu veux que je te sois honnête avec toi ? J'en ai 16. Ça va ? T'es mal au dab, bitch dab. Mec, c'est gênant, vraiment, il y a trop de gens gênants. Le pire pour moi, c'est quand j'étais vraiment très petit, où en fait, je me suis empoisonné littéralement avec du riz. En fait, genre, j'avais 12 ou 13 ans, j'ai bouffé 8 kilos de riz. Non, mais genre, tes darons et tout, ils sont fiers de tout. Tout le monde est maigre dans la famille, mais tout le monde. Ah non, tout le monde est maigre. Y'a que moi qui est comme ça. C'est étrange quand même. Ouais, c'est une maladie héréditaire en fait. Ça peut sauter plusieurs générations, malheureusement. Ok. Voilà. On avait un grand-père comme ça aussi, mais lui il était encore pire parce que il mangeait. Enfin, en fait, il avait tellement l'effet de faim qu'il mangeait du métal, du papier, des trucs comme ça. Wow. Ah ouais. Ouais, et il est mort à cause de. Parce qu'il a bouffé des rasoirs, ce con. Voilà, mort de fou. Mais genre, je sais pas, tu vois, c'est quoi les graines de tournesol par exemple, tu vois. Ouais, mais ça c'est très bon ça. Bah oui, mais moi je mange la peau par exemple, genre j'en ai rien à foutre, tu vois. Moi aussi. Ah, bah d'accord. Non, comment c'est chaud. Les bananes, pareil. Bon. Ouais, après, non, ça je suis pas bizarre à ce moment-là. Ouais. Ouais. Bah écoute, ton expérience, ça m'a touché. Trop gentil. Bonjour. Bonjour, ça va. J'aurais tourné à l'exploratrice si elle avait pas glow up. Je sais pas. Pourquoi tu rigoles, Dora? Oh mon dieu. Y'a ma copine qui arrive. Ok, ferme tes yeux. Je lui ressemble beaucoup, hein. Ferme mes yeux. Ok. Tiens, prépare tout le monde. Oh mon dieu. Ah, le rapace. Ah, le roucoule. Oh, le racaillou des Pokémon. Vous savez pas, y'a pas genre une troisième meuf qui va arriver. Tu devais t'assimiler à un animal. Un lion. J'irais un âne.